Papa, tout le temps qu'on va nous aider avec santé. Papa, tout le temps on va chanter les cantiques, les Dieu puissants, c'est Jésus. En français comme en lingala. Et après, nous allons passer à notre prédication. Bon, chantons d'abord le Seigneur et après on va passer à la prédication. Thank you.
tête là où tu es. Quand tu viens de le chanter que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, et tout est en lui. Demande de lui tout ce que tu veux. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et toute la plénitude de la divinité est en lui. Et demande de lui aussi de nous parler ce soir. Pour que je te donne encore l'occasion de parler à Dieu. Je te donne encore cette occasion. Parle à Dieu. Dis-lui que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux tout faire. Et accomplis cette chose dans ma vie. Donne-moi des enfants parce que je suis stérile. Donne-moi du travail parce que je suis chômeur. Développe les situations parce que je vis dans les difficultés. Élève-moi parce que je vis l'humiliation. Et parle-moi ce soir, affermis ma foi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. En toi, il y a toute la plénitude de la divinité. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, de débloquer les situations dans ma vie. J'aimerais te voir débloquer, Seigneur. J'aimerais te voir débloquer les choses dans ma famille. J'aimerais te voir menacer la maladie. Là où ils avaient des problèmes, Seigneur, donc
des solutions. Là où ils avaient péché, ici quand on passe sur le il y a un péché derrière tout un fardeau pour eux. Seulement par les bruits des pas et les preuves.
agis là où tu t'attends le moins. Espère toujours à son secours. Il ne t'abandonnera jamais. Confesse toujours en Dieu et en tout. Car c'est à cela que je prends plaisir.
Dit l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur ajoute l'explication au nom de Christ. Je crois que la joie du Seigneur. Nous sommes dans notre enseignement. Sur les choses conformes à la sainte doctrine. Et nous parlons sur la pierre à sept yeux. On avait déjà parlé de la foi comme la pierre en elle-même. Et les sept choses qu'on nous a dit des jeunes à la fois, c'est ça les yeux de la pierre. Et si ces choses sont en nous en abondance, on dit alors le Seigneur va nous accorder pleinement son royaume. C'est pourquoi il nous avait paru utile ou important de parler de ces choses. On avait dit que la foi c'est le grain. Ou la semence qui est parfaite. Et comme c'est une semence qui est parfaite, elle doit manifester aussi cette chose. Ce n'est pas huit. Là-bas, ne compte pas la foi. On n'a pas dit ajouter la foi à la non. On dit ajouter à la foi la vertu. C'est-à-dire le socle ou le fondement, c'est la foi. Alors on avait parlé sur la vertu. On avait dit que ce sont des qualités. Ce sont des qualités. Ce sont des mérites. On avait montré que l'enseignement de Jésus-Christ prêche des valeurs. L'enseignement de Jésus ne prêche pas des antivaleurs. Si vous voyez quelqu'un qui est petit, rempli des antivaleurs, et en même temps il confesse avoir Jésus-Christ, dites-vous que cet homme-là ne connaît pas encore Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, il allait comprendre que la vertu c'est l'un des yeux de la foi. Et on dit que si ces choses sont en abondance, ça doit être en abondance. On avait dit que ces qualités-là doivent être dans les croyants. Amen. On avait pris Ruth. On avait pris beaucoup d'exemples dans les Écritures de la vertu. Si tu dois être un frère vertueux, une sœur vertueuse. Et amen. Ah. Tu dois être un bien-aimé de vertu. C'est pourquoi on avait pris les Écritures. Et on avait passé dans notre étape. On nous parle là-bas sur la connaissance ou la science.
ajouté à la vertu la connaissance. J'avais dit que ces choses ne sont pas alternatives. Que tu peux manquer une et tu as d'autres. Non. Ces choses-là sont cumulatives. Donc, tu dois avoir tout ensemble. Et tu dois les avoir en abondance. Et si tu les as, afin que le Seigneur t'accorde le royaume. Nous, tes frères, nous allons témoigner à ta faveur que tu es prêt. Et toi, tel que tu es là, tu es digne du royaume. Même les gens du dehors vont témoigner à ta faveur que tu es digne du royaume. C'est pourquoi il est dit. C'est par la foi qu'un homme fut enlevé afin qu'il ne voie point la mort. On dit avant son enlèvement, il reçut un témoignage qu'il était agréable au Seigneur. Si vous lisez la vie d'Enoch, vous allez voir qu'il a marché aussi avec Dieu pendant 300 ans. Et la Bible nous dit, afin qu'il ne soit enlevé, on a témoigné en sa faveur qu'il était agréable aussi. Toi aussi tu marches avec le Seigneur. Et donc, il n'est pas différent de toi. Si on avait donné l'exemple de cet Enoch de Genèse 5, parce que toi aussi tu as la foi, tu dois marcher de manière à ce qu'à la fin qu'on puisse dire que tu es agréable au Seigneur. Voilà pourquoi nous tenons cet enseignement. On dit qu'être agréable à Dieu, c'est avoir la foi. C'est ce qu'on dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, être agréable à Dieu, par la foi, c'est lorsque la foi manifeste cette chose-là. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Lorsque tu manifestes ces choses-là en abondance, c'est là, c'est alors qu'il sera témoigné à ta faveur que tu es agréable au Seigneur. Amen. Mais maintenant, comme on avait déjà parlé sur la vertu, nous parlons sur la connaissance. Nous parlons sur la science. Amen. La science dont nous parlons ici. La connaissance dont nous parlons ici, frère. On y ajoute à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science ou la connaissance. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, vous voyez la foi chrétienne elle-même. Nous exhorte à ajouter à la vertu la connaissance. Et cela leur permet à dire, même si tu crois, quand même tu dois aller à l'université, tu dois aller dans des études théologiques. Et c'est là que
Amen. Amen. Je vous sens pas. Amen. 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 Et vous devez aller dans les universités pour étudier Dieu, comprendre. Lui-même, celui qui a écrit ça, n'était pas pharisien. Pharisien. Amen. Il n'était pas des gens instruits en Israël. Parce que en Israël, quand on parlait des gens instruits, on parlait des pharisiens, on parlait des sadducéens, on parlait des hérodiens, on parlait de tous ces gens-là. C'est pourquoi ils avaient des positions à eux. D'autres confessaient qu'il n'existe pas des esprits, il n'existe pas d'anges non plus. J'ai dit les uns. Les uns, qui marchent chez nous, n'existe pas. Et d'autres disaient que non, ça existe. D'autres croyaient à la résurrection des morts, d'autres ne les croyaient pas, ne croyaient pas à ça. Parce qu'ils avaient des positions à eux, donc des gens instruits. Mais les disciples de Jésus n'étaient pas dans ces lots-là des gens. Lui qui n'a point étudié, les études dont on parlait là, c'était des études rabbiniques. Des pharisiens, des sadducéens, de ces gens-là. Donc, selon eux, on parlait des choses de Dieu avec précision comme Jésus-Christ le faisait. Il fallait étudier. Mais ils ont remarqué que Jésus n'avait pas étudié. Jésus n'avait pas passé par toutes ces filières-là, toutes ces choses-là. Alors il parlait des Écritures. C'est par là que nous comprenons. Étudier, c'est une chose. C'est une autre chose. Mais connaître les Écritures, c'est une grâce venant de Dieu. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu ne connaîtras pas les Écritures. Il y avait un jour, il faut me supporter parce que c'est l'enseignement. Je ne suis pas en train de faire une prédication, aller à hâte, non. Je suis en train d'ouvrir pour que tu puisses bien comprendre. J'avais dit aux frères et à tout le monde de toujours apporter des blocs notes. Ça va aider. Vous avez des téléphones trop chers, mais vous n'avez pas de Bible. C'est pas bien. Téléphones, amis, cher, parce que ma Bible. C'est pas bien, frère. Les choses de Dieu sont sanitaires. Maintenant, tu trouves que c'est seulement ici à Saint-Philippe. Non, frère. Ces choses peuvent t'amener très loin et t'élever. Un jour, tu pourrais te retrouver là-bas, en Europe, ou quelque part. On a besoin de ta grâce, frère. La couche comme ça, les gens se réunissent. Là, on se parle. Parce que ce sont les choses de Dieu.
Dieu, ce ne sont pas des choses de l'homme. Les choses ici élèvent. En dehors de ça, il y a la vie éternelle. Il faut noter ces choses et les répéter à la maison. On va voir ça. Donc au moins un mot. Même Paul, il avait le parchemin. Et dans la Paul, Jésus. Un jour, encore encore, les Sadducéens sont venus. À Sadducéens Bayaki pour l'éprouver. Pour la comécaillé. Hein? Parce que Jésus confessait la résurrection des morts. Pour que Jésus soit abandonné qui n'a pas tant de la lycée pour y avoir. Et lui-même, il était la résurrection des morts. Il est mort sans avoir d'enfant. Et comme la loi dit, selon la loi du Lévitique, je crois, que son frère doit prendre cette femme-là pour susciter, pour que son nom ne puisse pas s'éteindre en Israël. Par l'enfant qu'ils auront avec cette femme-là. Et le deuxième frère aussi est mort sans savoir. Mais bien, je suis dans Matthieu, je crois, chapitre 22. Je vais aller quelque part. Il a dit, les troisième frère aussi, mêmement. Jusqu'au septième frère. Alors, le septième frère aussi est mort. Sans avoir toujours d'enfant. Maintenant, il lui pose la question. À la résurrection des morts que toi tu prêches, lequel de ses frères sera l'époux de cette femme? Je vous dis qu'en ce temps, c'était une question difficile. C'était la clé pour tout le monde qui confessait qu'il y a la résurrection des morts et des esprits. Et de la puissance de Dieu. Quand on va dire, 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 on va dire,
des ailes, frère. Lui-même, il répond à ça. Et vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il a commencé à donner des réponses par rapport à la connaissance des Écritures. La connaissance des Écritures et la puissance. Il a commencé par la puissance. Il dit à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Les femmes ne prendront point des hommes. Ni les hommes, les femmes. C'est ça la réponse par rapport à la puissance de Dieu. Oui. Parce que la puissance de Dieu a la capacité de transformer nos corps. Donc si tu connaissais que Dieu a la capacité de transformer le corps des hommes. L'écriture des proverbes, ces choses sont très importantes, bien-aimés. J'ai dit, Proverbes chapitre 2, le verset 2. Jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors qu'est-ce qui se fera? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort de la connaissance et l'intelligence. Vous voyez ici, on nous exhorte, frère.
de chercher l'intelligence comme de l'argent. Et que de chercher la sagesse comme un trésor. J'avais dit l'intelligence, c'est la compréhension des choses de Dieu. Mais la sagesse, c'est l'explication des choses. Vous voyez? Cette faculté-là de comprendre une science. Dieu, par exemple, à l'école, on n'a pas encore donné une notion. Mais si on a la faculté de comprendre ce que le maître dit. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et la science, c'est comme les notions là qu'on vous donne, les connaissances. Mais ici, on nous exhorte à chercher ça comme un trésor. Et que tout le monde le voit là. Ici j'avais dit, c'est toute une activité. C'est la vie de tous les jours. On dit il y a quoi? C'est quoi la conséquence? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Cela ne veut pas dire qu'avant tu n'avais pas la crainte de l'Éternel. La connaissance de Dieu a des dimensions. La crainte de Dieu aussi. Alors, pour comprendre Dieu et le craindre dans tous les temps, alors il faut rechercher la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir des gens. Je veux ils avaient commencé avec Dieu. Ils étaient là tout feu, tout flamme. Dans les groupes de prière. Et nous confessons la saine doctrine. Mais après des années, il est devenu président d'une équipe de football. Et après, l'église est devenue. C'est toujours toi dans les impudicités. Ah, si, si tu commences à nous faire
verset premier. Il dit, Paul, serviteur de Dieu. Nous sommes toujours au nom de Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Je suis apôtre pour la connaissance de la vérité. Qui est selon la piété. Amen. Amen. Donc quand il est apôtre, il enseigne. Tu connais Dieu tel qu'il est.
Osée. Nous sommes dans Osée. Nous allons lire des écritures et puis nous allons prier. Osée chapitre 6. Nous prenons même le verset 3. Amen. Amen. On dit ceci. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps. Le verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Là, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu lui-même dit. Comment tu vas lire ça même à la maison? Que j'aime la connaissance. Plus que les holocaustes. Amen. Amen. Ah, Dieu aime que les gens les connaissent. À ça, il prend plaisir. Toi, maman. Yo, maman. Toi, ma soeur. Yo, mon frère. On doit s'exercer à connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu? On nous a déjà dit que dans la bouche de l'Éternel sort la connaissance. C'est de cette bouche-là qu'on va parler le dimanche. Et cette bouche-là, cette bouche-là, c'est de ça que nous allons parler le dimanche.
Merci Seigneur Jésus. Toi qui nous as parlé ce soir.